Bonsoir, j'étais en train d'avoir une petite conversation particulière avec le monsieur qui est à ma gauche et puis le monsieur qui est à ma droite, qui est notre camarade Grignard, qui a la responsabilité de toute la technique et des rapports de la technique avec la parole, un rôle particulièrement important. Il vient de me tapoter sur le bras pour me dire c'est à nous. Je vous présente d'abord quelques excuses, je vous aperçois vaguement dans la pénombre de la salle Wagram là-bas, car il était prévu au départ que nous avions rendez-vous, vous et nous, ensemble, vers 22h30. Mais vous savez qu'il y a eu quelques petits changements, comme il arrive partout et dans les administrations les mieux réglées, en sorte que c'est beaucoup plus tôt que prévu que nous nous retrouvons ensemble. Le monsieur que vous apercevez qui me fait des signes désespérés, c'est l'organisateur, le brave homme qui s'appelle Monsieur Durand, ne sait plus à quel sein se vouer, il se demande si c'est lui qui perd la tête ou si c'est la télévision qui perd la sienne. Il se demande s'il doit faire entrer ses combattants sur le ring maintenant ou s'il doit attendre 22h30. Vous pouvez y aller maintenant, Monsieur Durand. Je dois dire d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est pour vous, téléspectateurs, que cette réunion a été complètement bouleversée, bien entendu, mais presque complètement édifiée. Et on a fait appel, Monsieur Durand, l'organisateur, a fait appel pour vous ce soir à quelques-uns des noms qui figurent en bonne place dans l'armorial du catch. J'exagère peut-être en disant l'armorial du catch, mais enfin dans le palmarès, dans le bottin mondain du catch, si les mots mondain et catch ne sont pas trop opposés pour être réunis ici par mon soin ce soir. Donc je vous situe les lieux, c'est un vieux souvenir de mon manuel du gradé, où, quand, comment, où à la salle Wagram, quand ce soir en direct devant vous, et comment, par les soins de la technique de la télévision, technique qui n'a plus rien à apprendre, vous le savez. On a simplement jugé bon de ne pas déplacer l'hélicoptère pour la circonstance ce soir, mais enfin toutes les ressources de la technique sont ici réunies sous le commandement de notre réalisateur Royer, et ces ressources sont destinées à vous montrer non seulement les à côté du catch que vous devinez dans la salle obscure là-bas, mais surtout tous les à côté que vous ne percevez peut-être pas lorsque vous êtes dans une salle, mais que les 3 ou 4 caméras qui sont là vont vous permettre d'apercevoir, nous l'espérons du moins. Il y a quelques vides encore dans la salle, d'abord parce qu'il est un peu tôt et ensuite parce que c'est le retour des vacances. Pour des raisons pécuniaires qui n'échappent à personne, il arrive que les spectateurs se transforment en téléspectateurs, restent chez eux, font quelques économies et goûtent les joies de la famille, surtout quand il s'agit de joies qui sont procurées par les autres, c'est-à-dire par le catch. Le premier combat, celui donc qui va nous intéresser, car je crois que nous avons l'antenne pendant environ 40 minutes, le premier combat, celui qui va nous intéresser, va opposer les blousons noirs à Isha Israël et Jean Corne. C'est Isha Israël et Jean Corne que vous voyez apparaître les premiers, Jean Corne au premier plan et Isha Israël, petite moustache noire, au deuxième plan. Jean Corne qui est breton et châtain et Isha Israël qui vient d'Israël, qui est très brun et qui porte la petite moustache noire pour que vous le reconnaissiez sans difficulté. Combat à 4 par relais de 2 équipes de tubuteurs en deux manches et une belle s'il y a lieu, durée limitée à 1 heure. Opposant l'équipe franco-israélienne composée de Jean Corne, champion de France des poids plis moyens, et de Isha Israël, champion du monde des poids légers, contre les révoltés du catch, les célèbres blousons noirs. Arbitre de changement, arbitre international. Isha Israël, Jean Corne. Les blousons noirs. Je crois devoir préciser pour la petite histoire et pour faire plus vrai que ce que vous voyez pendre au blouson noir de l'un des blousons noirs est une chaîne de bicyclette. Transfuge du vélo, ce blouson noir-là a voulu être aussi vrai que nature. Et pour mieux représenter les déplorables représentants d'une certaine jeunesse actuelle, il a poussé le soin du détail jusqu'à avoir la chaîne du vélo. Il est tout noir vêtu, à part les chaussettes jaunes qui tranchent un petit peu sur l'ensemble de la tenue. L'âme est aussi noire que le reste, et vous le verrez dans un instant à leur façon de se comporter contre ceux qui apparemment au départ sont les gentils, car ce serait fort paradoxal que ces blousons noirs-là soient des anges. Les gentils, c'est ces gros mollets, ces grosses cuisses-là, qui appartiennent à Isha Israël et à Jean Corne, un breton et un israélien réunis pour le bon motif, c'est-à-dire pour faire front face à la menace contemporaine, celle des blousons noirs. Les quatre hommes se serrent le bout des doigts, ce qui est une façon très peu mondaine de se serrer la main, et vous allez voir qu'ils vont se serrer très rapidement autre chose. La lutte commence entre Jean Corne et le blouson noir qui est surnommé la citadelle. Dès que les présentations seront faites, la première manche commence par un assaut entre Jean Corne, slip bleu, et un des blousons noirs qui s'appelle la citadelle, que l'on a surnommé la citadelle. Voici le premier contact entre les deux hommes. Et premier contact qui tourne au désavantage de Jean Corne, robuste breton, qui se fait précipiter à terre dans les corps, à terre dans les cordes, et qui évite le blouson noir,
Voltige se retrouve debout. Voltige évite un assaut que le blouson noir, la citadelle, n'a pas poursuivi jusqu'au bout. D'ici, nous avons déjà une petite idée de combattants. Ce ne sont pas des poids lourds, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas quels sont leurs poids exacts. De toute façon, ce sont des garçons dont la force allie à la souplesse. C'est donc à de la très belle lutte, du très beau catch que nous allons assister au cours de cette soirée. Un blouson noir qui tombe de haut et Jean Corne, un breton qui ne lâche pas sa prise et qui commence très bien cette première manche face à son adversaire. Je crois qu'il n'est peut-être pas besoin de vous rappeler les règles, car il n'y en a pas, du catch, que je vous précise cependant que dans le catch à 4, les catcheurs ont le droit de se relayer à condition de se passer le relais en se tenant la main ou en se touchant la main, ou une partie quelconque de l'individu. Enfin, la main étant la plus extensible, c'est en général les mains qui se touchent. Nous revoici toujours dans un coin du ring, et c'est Jean Corne qui, adroitement, vient de décourager le premier blouson noir, la citadelle. Le deuxième blouson noir, je n'ai pas d'autres détails sur leur pedigree et sur leur état civil, c'est le deuxième blouson noir qui vient maintenant au centre du ring pour retrouver Jean Corne. Nous pouvons regarder avec un peu de tranquillité ce qui se passe maintenant. Si Jean Corne qui est venu à vous, des intentions offensives du premier blouson noir, on va aussi bien réussir avec le deuxième. Ça se présente un peu plus mal. Le deuxième blouson noir, moustachu, qui a tort de s'accrocher un petit peu à la corde, se faisant rappeler à l'ordre par l'arbitre. L'arbitre, c'est l'homme en blanc, qui est M. Jourlin, ancien champion d'Europe de lutte libre amateur, et deux fois, je crois, finaliste olympique. Enfin, un connaisseur en la matière, M. Jourlin, que j'appelle monsieur, car on doit toujours un certain respect à celui qui représente l'autorité. M. Jourlin, qui est tout blanc vêtu, par opposition sans doute à la tenue sombre des blousons noirs, par allusion à tout ce qu'il y a de candeur dans le fait de vouloir être juge entre deux parties opposées. Ce jour-là, suivant attentivement le déroulement des opérations, s'efforçant de voir tout ce qu'il peut voir, tout ce qui est visible, alors qu'il est pertinent que dans le catch, dans ce genre d'exercice, l'essentiel se passe par en dessous et échappe en général, sinon au regard du public qui voit tout, mais au regard de l'arbitre. Mais comme... c'est le public qui, en définitive, dans le régime démocratique qui se respecte, est le juge suprême. L'arbitre, finalement, n'a pas tellement d'importance. Vous avez vu qu'il y a eu un petit changement de lutteur. Jean Corne a été remplacé par son coéquipier, Isha Israël. Et Isha Israël n'y va pas par quatre chemins. Hop. Eh bien, il n'y va pas par quatre chemins du tout. Il ne connaît qu'une loi, celle du plus fort. Il n'a qu'un inconvénient. Isha Israël, en ce qui me concerne du moins, c'est de taper avec ses fesses, ses cuisses, ses bras un peu trop fort sur le tapis du ring. Et une poussière qui date de plusieurs générations monte lentement jusqu'à mes fosses nasales. Mais enfin, ceci est un détail. On vous doit bien, chers téléspectateurs, quelques sacrifices. Et pendant que le blouson noir s'efforce d'agripper et peut-être de faire glisser traîtreusement le slip d'Isha Israël, Isha Israël cherche à se dégager et se dégage. Il n'a pas l'air commode, cet Isha Israël. Voici les deux hommes opposés. Manifestement, le blouson noir, moustachu, a passé le pied de l'autre côté des cordes. Et en principe, l'arbitre devrait arrêter, mais l'arbitre laisse Isha Israël glisser avec la tête du blouson noir entre ses cuisses jusqu'au centre du ring. On se retourne. Ça se retourne aussi facilement, ça... une situation politique embrouillée il y a une certaine époque du moins. Et un petit geste de mauvaise humeur du blouson noir. Et le retour au centre du ring d'Isha Israël, son adversaire. S'il commence calmement, un peu comme les débats internationaux. On attend, avant de se disputer sérieusement, que l'autre ait commencé, ce qui ne saurait tarder. Étant donné le tour que semble prendre ici la discussion devant vous, sous vos yeux. Depuis la salle Wagram, transmis en direct. Et voici quelques phénomènes contemporains que la télévision nous permet d'apercevoir d'une façon indiscutable. Ce sont les coups en vache, dit-on, salle Wagram, et en traître, dit-on, dans les salons du Faubourg Saint-Honoré. Voici le relais passé entre les deux blousons noirs, la citadelle venant remplacer le moustachu et M. Jourlin, se souvenant qu'il a été champion international, finaliste olympique, champion d'Europe, etc. Et en voyant une manchette sur le nez du deuxième blouson noir.
au centre du ring, la Citadelle opposée à Isha Israël. Et oh, ça vraiment très désagréable à recevoir, une gifle donnée par le deuxième blouson noir, une gifle ou un coup qui ressemble presque à un coup de chaîne de bicyclette, ce n'est qu'une gifle. Et Isha Israël en très mauvaise position, ne pouvant rien faire, essayant de se dépêtrer de ses bras du blouson noir qui l'emmène vers le coin où attend le deuxième blouson noir. Et d'une façon manifeste, il y a là des gestes irréguliers que l'arbitre a toutes les peines du monde à interrompre. Mais l'arbitre ne semble avoir comme argument que ses paroles, ses incitations à la morale, ce qui n'a qu'une valeur toute relative ici comme ailleurs. Paris C crie le deuxième blouson noir. Et il est évident que le pauvre Isha Israël ne peut rien contre la coalition, ne peut rien contre la coalition des deux blousons noirs, d'autant plus qu'il vient d'encaisser une série de coups de manchette et que le public commence à réagir sérieusement. Isha Israël se venge en étranglant, en tordant, en triturant le cou du blouson noir. La Citadelle s'écroule une fois, deux fois, trois fois. Jean Corne, le Breton, la précipite une quatrième fois au tapis. Oh là là, les blousons noirs passent un très mauvais moment, se trempent de coin, se font cueillir par des manchettes. Cependant que dans l'autre coin du ring, le deuxième blouson noir hésite à intervenir, n'intervient pas. Et que finalement, Jean Corne, très adroitement, se saisit sur un coup de pied du pied de la Citadelle et cloue le pied et le reste au tapis. Bon, voilà de l'émotion maintenant dans cette salle Wagram, si calme lorsque nous y sommes entrés ensemble tout à l'heure, et déjà effervescente, bouillante, prête à exploser. Prête à monter sur le ring si on l'y invitait. Pour manifester contre les blousons noirs et pour aider ce brave Breton Jean Corne et ce brave Israélien Isha Israël. L'arbitre se fait un petit peu insulter, mais enfin, tout cela passe à côté de son flegme. L'arbitre, il est non seulement un ancien champion d'Europe de 4 de lutte, mais également un ancien policier. C'est-à-dire un homme qui a vécu, et là-bas, les blousons noirs profitant de l'occasion pour tromper la surveillance de Jourlin, se passer le relais et faire passer un très mauvais moment à Jean Corne. Bon, que le public crie remboursé, car le public n'aime pas payer de ses deniers les faits et gestes des méchants ou encourager de ses deniers. Le public calme un peu Isha Israël, mais rien ne peut plus calmer l'homme déchaîné qui envoie dans les cordes, qui envoie au tapis, qui tourne, qui fait retourner, qui écrase le blouson noir qu'il a en face de lui. Le moustachu. Manifestation dans le public, manifestation sur le ring, conseil de prudence, peut-être conseil de sagesse, et en tout cas, face à face à nouveau, Isha Israël et le blouson noir moustachu. Isha Israël domine, réussit à faire la balançoire et à basculer le blouson noir, les deux hommes se relèvent, et le blouson noir nargue son adversaire, mais on n'a jamais intérêt à le prendre de trop quand on a affaire à un homme, sinon aussi fort, du moins plus fort que soi-même. Contrairement à ce que semblent laisser croire ces images qui montrent le blouson noir cherchant à étrangler, une sorte de prise boa, cherchant à étrangler Isha Israël. Isha appelle à son secours Jean Corne, mais j'ai l'impression qu'Isha en ce moment est étranglé. L'autre blouson noir guette. Jean Corne tend la main vers Isha, mais Isha semble avoir perdu un petit peu
de ses esprits et de son self-control. Et au moment où il se relève, encaisse un coup de pied supplémentaire bien inutile. Guichard récupère rapidement, fait une feinte, se saisit du blouson et l'envoie au tapis. Israël la suite dans les idées pour la deuxième fois. Le blouson vient de retomber sur le genou d'Isha et vient de se retrouver au tapis. Et troisième fois, balançoire. Balancement maintenant de l'autre côté du ring sans résultat. Oh là là là, et série de coups, disons peu orthodoxes, donnés par le blouson noir dans le postérieur d'Isha Israël. Le blouson noir s'arc-boute. On sent un garçon consciencieux qui fait sérieusement son travail. S'arc-boute sur le pied d'Isha Israël. S'efforce de le tordre, de le malaxer, de le pressurer, de le triturer. S'efforce de conserver le contrôle avec cette sorte de tir provisionnel qu'il a là dans sa main et qu'il vient de perdre. En attendant de retrouver le reste, et finalement, Isha Israël a réussi à se dégager. Les deux hommes se sont séparés et Isha Israël retrouve en face de lui le deuxième blouson noir, la citadelle. La citadelle a le dessus dans les premiers échanges. Isha Israël est à genoux devant lui. L'arbitre voit tout. Enfin, l'arbitre voit tout ce qui est dans son champ visuel, car il y a un tas de choses qui se passent en dessous ou derrière et qu'il ne voit pas. Et que vous voyez sans doute. Ici, vous voyez qu'il y a Isha Israël dans une position qui appelle le geste irrégulier de la part de la deuxième, du deuxième blouson noir. Et chaque fois, les blousons noirs ramènent dans leur coin l'adversaire, Isha Israël, et Isha Israël encaisse des coups des deux côtés. Nous nous retrouvons au centre du ring après cette troisième feinte du blouson noir tout à l'heure. Et ici, avec une série de manchettes données par le blouson noir et renvoyées immédiatement par Isha Israël. Et renvoyées avec une telle force que la citadelle se retrouve au tapis, tombe de très haut et éprouve quelques peines à se remettre et à se relever. Série de manchettes envoyées des deux côtés. Et finalement, c'est Isha Israël qui est en avant. Pas pour longtemps, un coup de tête, le relais donné à Jean Corne, et Jean Corne se précipite sur le blouson noir, se laisse prendre, se laisse surprendre, essaie de se dégager. Oh, finalement, très jolie prise de Jean Corne, et très bon voyage au tapis du deuxième blouson noir. Malheureusement, il y a dans le coin des blousons noirs le deuxième homme qui, sans prendre le relais, veut venir aider son camarade, n'y parvient pas, il parvient cette fois-ci. Et finalement, ce qui devait arriver arrive, Jean Corne se laisse surprendre et les positions sont complètement inversées, transformées. Il y a là même un certain nombre de gestes irréguliers. Et le malheureux Jean Corne se fait prendre. Réussit à faire le pont et à se relever, se fait retomber au tapis. Il essaie de se dégager, se dégage. Des applaudissements dans le public car l'effort de Jean-Paul a été très joli. Et nouveau voyage au tapis du blouson noir cette fois-ci. De Jean Corne qui s'est débarrassé des deux blousons noirs en même temps. Relais donné par Jean Corne à Isha Israël pendant que M. Jourlin compte. Isha Israël se précipite sur le ring pour essayer d'en terminer avec le blouson noir. Jean Corne ne prend pas le relais. Jourlin ordonne de laisser compter. Et le blouson noir tombe une nouvelle fois. Il semble que nous soyons dans les derniers échanges de cette première manche car manifestement les blousons noirs sont très dominés. Il est bon, les justiciers semblent avoir la partie belle maintenant s'ils ne se laissent pas surprendre. Le blouson noir s'accrochant pour ne pas se laisser emporter au centre du ring, essayant de tourner pour aller donner le relais à son camarade, n'y parvenant pas. Isha Israël continuant à dominer, laissant tomber le blouson noir sur son genou.
hésitant, semble-t-il, à en terminer. Jourlin content. Encore des manchettes. Aïe, aïe, aïe. Et voilà ce qui risquait d'arriver. Vient d'arriver à demi car Isha Israël s'est dégagé. Envoie, continue d'envoyer des séries de manchettes, fait voltiger. Oh là là là, oh là là là. Fait voltiger Isha. Et le combat se poursuit ici, vous savez absolument plus où nous en sommes. Il y a un homme qui est pris complètement dans les cordes, c'est Isha Israël. Un homme qui vient de tomber de l'autre côté du ring, qui s'affale complètement KO. C'est le blouson noir. Et cependant qu'Isha Israël revient dans un coin et que le blouson noir revient dans l'autre, le combat continue, le blouson noir se tenant les reins, complètement assommé par cette chute vertigineuse qu'il vient de faire devant vous, en dehors des cordes du ring. Oh là là, et par les chutes qu'il fait maintenant, il passe le relais à son camarade, le deuxième blouson noir. Nous n'en sommes pas du tout à cette fin que l'on pouvait croire proche de la première manche, après la domination de Jean Corne et d'Isha Israël. Et le combat continue par des sauts croisés de Jean Corne qui essaie de tenir le menton, de toucher le menton du blouson noir. Un peu de répit maintenant au tapis, c'est Jean Corne qui a le mauvais rôle, il est prisonnier, il se dégage. Prisonnier à nouveau. Prisonnier à nouveau. Il se dégage. Pour essayer de coller les deux épaules du blouson noir au tapis sans résultat, et la situation semble inextricable, elle le serait vraisemblablement pour vous et pour moi si vous étiez à la place de l'un ou de l'autre. Mais le blouson noir se dégage d'un côté, Jean Corne se fait prendre de l'autre. Le blouson noir amène Jean Corne jusque dans le coin de son camarade qui en profite bien entendu malgré l'opposition de Jourlin, ancien policier, ancien champion et actuel arbitre. Et au centre du ring, il semble que Jean Corne ait écrasé les deux épaules du blouson noir au tapis, mais le blouson noir trouve le moyen, encore les ressources, pour faire le pont, pour décoller ses deux épaules. Jean Corne se fait balancer et les deux hommes se retrouvent debout. Vraiment la résistance de ces deux hommes, leur souplesse et en même temps leur astuce sont telles que l'on se demande et que l'on se demandera jusqu'au bout quels sont les meilleurs des uns ou des autres et qui gagnera ce soir. Très bonne feinte de Jean Corne, deuxième feinte de Jean Corne, troisième feinte et magnifique saut de Jean Corne qui se fait balancer alors qu'il avait les 3 secondes, les épaules pour 3 secondes semble-t-il. Il se fait envoyer dans son coin jusqu'au moment où Isha Israël vient prendre le relais et retrouver le deuxième blouson noir. Les deux blousons noirs se parlent entre eux à l'oreille, mettent au point je ne sais quelle traîtrise, quelle manigance ou quelle tactique, ou noble pour désigner les mêmes choses. Finalement, c'est Isha qui a l'avantage, qui se fait basculer, qui se fait prendre. Les deux hommes vont finir par se rencontrer. Et c'est à l'avantage d'Isha Israël. Non. À la dernière seconde, le blouson noir s'est dégagé. Vraiment, cette rencontre, cette première manche entre les blousons noirs et Isha Israël et Jean Corne, est pleine de suspense, est pleine de rebondissements. Il sera pleine jusqu'au bout d'incertitudes. Ici, c'est le blouson noir qui a l'avantage. Isha Israël qui a la main tordue derrière son dos, le bras prisonnier et l'oreille piétinée. Il paraît que c'est régulier, 20 minutes de combat déjà dans cette première manche. Et le blouson noir souffle en faisant souffrir son adversaire. C'est de la patience active. L'arbitre demande à Isha Israël s'il veut abandonner, cependant que là-bas, Jean Corne se fâche, car les coups qu'encaisse Isha Israël sont irréguliers. Le blouson noir en profite pour donner des coups de poing quand l'arbitre n'est pas là, et de sortes de manchettes lorsque l'arbitre le regarde. Et le public en profite pour manifester, vous l'entendez maintenant, venus très nombreux, hurlant des encouragements qui ne sont guère académiques à l'adresse des uns ou des autres, sinon on n'en sait trop de rien. L'unanimité se faisant comme d'habitude contre l'arbitre. Vous en voir relevé. Et Isha Israël en mauvaise position.
couché au centre du ring.